Applaudissons très fort les artistes pour leur talent. Les artistes associés pour le changement de mentalité. En soutien à cette campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et en vue de contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière, de la qualité des services rendus aux assujettis, mais aussi de se conformer aux bonnes pratiques de gestion de la chose publique, j'ai le plaisir d'annoncer la mise en marche ce jour du service Fin Alerte. En effet, au travers d'un portail web accessible via le site du ministère des Finances, ainsi qu'à travers une ligne téléphonique d'accès gratuit, Fin Alerte est un service permettant aux personnes morales et physiques de soumettre de manière anonyme ou non, selon leur choix, à l'attention du ministre des Finances, des plaintes et dénonciations se rapportant, entre autres, à des cas de fraude fiscale, fraude douanière, tracasserie administrative, harcèlement, concussion, corruption ou tout autre acte illégaux dont elles sont ou elles auraient été victimes ou témoins, afin que des actions idoines soient prises pour y remédier. Permettez-moi d'ajouter que le civisme fiscal n'est pas seulement une question de recettes. Il se justifie et se renforce par la qualité de la dépense publique. Une dépense utile, une dépense équitable, solidaire et juste. Une dépense qui contribue à l'amélioration du bien-être du plus grand nombre, comme vous l'avez si bien dit, le peuple d'abord. J'ai tenu, au milieu de toutes les priorités liées à mes responsabilités, à marquer d'une pierre blanche cet événement, ce qui témoigne de ma détermination à changer de paradigme dans la gestion de la chose publique. Conscient de l'immensité et de la complexité de la tâche, au vu de l'altération de la conscience collective, j'ai créé au sein de mon cabinet la coordination pour le changement de mentalité qui, dans mon entendement et ma vision, se conçoit comme une structure charnière de l'instauration effective d'un état de droit, l'amélioration des performances économiques et la réalisation du progrès social. J'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. C'est de cette manière qu'ils pourront donner à l'État les moyens nécessaires pour répondre à leurs multiples attentes. Je lance la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, ainsi que l'application Fin Alerte. Je souhaite à tous les acteurs impliqués un franc succès.